Et c'est comme ça que je t'ai quitté et que j'ai commencé à sortir avec Anselme. Une histoire de fou, d'autant plus que ça s'est passé quand? Hier après-midi! C'est juste, j'étais sorti dans le village pour aller faire le recensement, puis comme il n'y avait toujours personne, bah je suis rentré. Et là, qu'est-ce que j'entends? Chérie, je ne t'aime plus car j'en aime un autre! Devine qui c'est! Là, tu trouves assez facilement puisqu'on n'est plus que trois dans le village. Fichu apocalypse. Et nous voilà autour de cette table. La vie est folle. Bon, bière de cafard, je vais refaire le plein. Qui en veut? Non, merci. Chérie, je sais que c'est le dernier, mais tu veux vraiment le bouffer? Me concernant, c'est lui ou toi? Ouais, j'avoue, le choix est pas évident. Bon, je vais chercher le tire-bouchon. Qui c'est? Et voici une information spéciale concernant les différentes zones du pays touchées par de nouveaux cas de grippe ces dernières semaines. Il semblerait que ce virus n'est pas de la même souche que la grippe saisonnière actuelle. Cependant, les autorités sanitaires assurent qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Nous vous tiendrons informés de la suite de la situation. Et maintenant, chers auditeurs, retour au programme musical. J'aurais pu me faire un café quand même. Qui c'est? Va voir. Qu'est-ce qui vient de se passer?
possible. 5 ans que j'ai vu que ta tronche et celle de Raoul. Puis d'ailleurs, il est où, putain? Vous devinerez jamais ce que je viens de voir. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Pour la 50e fois, oui. On est exactement à l'emplacement indiqué par Raoul. Maintenant, quoi entre toi, je veux pas les rater. Je trouve quand même ça louche qu'on ait encore rien vu. Mais merde, t'as entendu Raoul comme moi. Je sortais tranquillement de ma brasserie, et là, en passant devant le hangar abandonné, qu'est-ce que je vois? Oh putain, le chat! Mais non, il a pas dit ça, il a dit... Oh putain, un chat! Ah si. Ah si, t'as raison, il a complètement dit ça, oui. Enfin, après, il a aussi dit... Et là, après le chat... J'ai vu des mecs en noir, chelou, encapuchonnés, et ils rentraient dans le hangar avec des valises, mais j'étais sûr dans ces valises qu'il y avait de la bidoche. Je pouvais le sentir depuis où j'étais. Donc s'il te plaît, concentre-toi, je veux vraiment pas les rater. Je veux manger de la viande, autre chose que toi ou Raoul. Ou toi. Ou moi. Quelque chose arrive. Tiens-toi prêt. Putain, le chat! J'ai bien fait de prendre le tire-bouchon, hein. C'est Raoul qui avait tort. D'ailleurs, il fout quoi, lui? Sa brasserie, elle est juste à côté. Ça lui prend toujours du temps d'y passer, il y a toujours des trucs à faire, des machins là. Passe-moi la sauce de cafard là. Allez, surveille-toi un moment, j'ai faim là. Serviette, j'ai les doigts dégueulasses. Oh putain, il y en a un qui arrive là. Qu'est-ce qu'il fait? Décris-moi. Il pose la valise. Attends, il fouille dans sa poche là. Oui, il fouille dans sa poche. Il sort. Oh merde. Quoi? 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 Quoi?
Si c'est à cause du chat, je suis désolée, on pensait qu'il était à personne. Si vous voulez, on a du rab, hein. Du coup, pour le chat ? Je suis pas là pour le chat. Ah. Mais vous êtes sûre, hein, parce que vous m'avez quand même l'air un peu remontée. Je suis là pour vous. Pour moi ? Vous voulez me bouffer, c'est ça ? Ah mais non, pas du tout ! Oh, ouf ! Ah ben, je comprends mieux votre tronche maintenant. Ah ben, je m'imaginais déjà toute la scène, moi. Ben oui, j'ai dû vous faire peur. Vous imaginez même pas. Mais qu'est-ce que vous me voulez? J'ai des questions pour vous. Écoutez, le chat, il est venu vers nous, on n'a rien demandé. Mais c'est pas à propos du chat. Ah, ben, dites-moi. Pourquoi vous étiez là-bas? Ah, ben, c'est notre pote, enfin mon ex, qui vous a vu et du coup, il nous a dit de venir ici. Vous? C'est-à-dire? Vous êtes combien? Bah, il y a moi et Anselme. Oh putain, Anselme! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il est où? Ne vous inquiétez pas, il est juste à côté. Ah. Il y a un petit peu ici. Ah! En même temps, il répondait pas à mes questions. Mais c'était juste un chat! Mais on s'en fout de votre chat! Mais qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Je veux que vous me disiez tout, absolument tout, sur cette carte. Et sur le tire-bouchon qu'on a retrouvé sur votre ami. Et surtout, surtout, je veux tout savoir sur le postier de l'Apocalypse.